Bonjour, je m'appelle Marlène. Donc, je viens d'être diplômée d'AgroSup Dijon, école à laquelle j'ai accédé par une classe préparatoire issue du concours qui m'a permis d'entrer à AgroSup Dijon. Premièrement, pour la proximité, puisque je suis de la région, mais aussi parce que c'est une école qui a une assez bonne renommée, même bonne renommée, et par rapport en parlant à d'autres élèves qui ont intégré cette école et en rencontrant des personnes, oui, issues de cette école. Cette dominante va apporter un côté technique, mais assez global, donc il ne va pas nous perdre, mais aussi un côté connaissance des acteurs du milieu du machinisme agricole. Le machinisme agricole, ce n'est pas uniquement des boulons et du cambouis, c'est tout un côté marketing, un côté également managérial. Donc c'est quelque chose que nous apporte la dominante STEA, qui, souvent combinée par le diplôme ISEE, apporte encore plus de concret. Le double diplôme ISEE, c'est un diplôme complémentaire de la dominante sciences et techniques des agroéquipements qui va permettre d'apporter un côté marketing à notre cursus, qui va nous faire rencontrer de nombreux acteurs du domaine, notamment des syndicats, des personnes travaillant pour les constructeurs ou autres. Pour l'instant, j'aimerais faire du technique, donc plus côté formation technique. C'est dans cette optique-là que j'ai effectué mon stage. J'aimerais bien continuer un peu plus longtemps pour être plus au courant des évolutions sur les produits, me former un peu plus et ensuite, pourquoi pas, côté marketing. Mais je pense que c'est important d'avoir acquis du technique, pardon, pour effectuer un bon marketing derrière. Pour mon stage, je l'ai trouvé très facilement au forum des entreprises d'AgroSup Dijon, qui fait venir pas mal d'acteurs, dont des constructeurs. Donc ensuite, une fois que j'ai trouvé mon stage, je l'ai effectué. Et là, j'ai une possibilité d'emploi à l'issue de mon stage que je suis très contente d'accepter. Tout d'abord, des qualités techniques, puisque nos profs sont plutôt investis, donc ils nous transmettent beaucoup de choses au niveau technique, mais aussi un côté humain avec l'ouverture d'esprit sur les différentes possibilités qu'on peut avoir en sortant de la formation, puisqu'on rencontre de nombreuses personnes qui nous apportent beaucoup de par leur expérience personnelle, mais aussi par leur expérience professionnelle. On ne fait pas forcément que du technique, on fait également de l'organisationnel, comprendre comment s'organise toute la filière du machinisme agricole, qui ne passe pas que par du technique, puisqu'aujourd'hui les clients ne visent pas non plus que par les performances techniques d'un matériel, ils attendent plus de ce matériel, notamment avec l'agriculture de précision, qui n'est pas que du cambouis et des boulons. Il n'y a eu aucune différence de fait par l'équipe enseignante, ni par les intervenants lors de la formation. Ensuite, quelquefois, peut-être qu'il y a quelques remarques, mais je pense qu'il vaut mieux les prendre avec la rigolade. Et puis, même lors de mon stage, il n'y a pas eu de différence entre moi et d'autres personnes masculines de l'équipe. Donc je pense que le milieu du machinisme agricole est un milieu qui va plutôt tendre à se féminiser, ce qui est une bonne chose. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de comprendre la mécanique. STEA, c'est pas que pour les gars, loin de là.